Tu te considères comme quelqu'un de sportif? Ou est-ce que tu es plutôt du genre à t'installer sur le canapé et à regarder la télévision toute la journée? Il est temps d'enfiler tes baskets et de faire quelques étirements parce qu'aujourd'hui, on va mettre notre corps à l'épreuve pour le défi des acrobaties. Tu entends ça? C'est le son de la paix et du calme total. Vous avez raison les filles, c'est un moment idéal pour s'accorder une petite pause et ne faire qu'un avec vos pensées, même si cela implique de boire un peu d'eau de coco avant l'entraînement. Waouh, j'aurais bien besoin d'un soda pour accompagner ce burger. C'était quoi ça? Hein? On peut même recevoir du courrier ici? Qu'est-ce que ça dit? Un cours d'acrobatie? Gratuit? Ça pourrait être amusant. Oh ouais, on va vraiment le faire. Hé, Claire, regarde ça! Hein? Alice, regarde ce qui vient de me tomber dessus. Non, je suis tranquille ici. Merci. C'est écrit que c'est gratuit. Je pense qu'on devrait passer voir, c'est juste là. Waouh, ce sont les professeurs. Oh, ils ont la classe, n'est-ce pas? Alors, t'en dis quoi? On devrait tenter notre chance? Ok, cette première tentative demande un peu de travail d'équipe. Il faut t'asseoir sur les genoux de ton partenaire, en face à face, en position de table. Maintenant, place tes pieds sous les aisselles de ton partenaire. Waouh, elle est tellement stable qu'elle peut lever ses bras. Ça a l'air assez facile, pas vrai? Ok, je vais me mettre en dessous. Tu ferais mieux de te stabiliser sur cette herbe. Oh, c'est déjà très intense. Maintenant qu'Olivia est en place, est-ce que Claire peut lever ses bras et se tenir en équilibre? Et la réponse est un non retentissant, les amis. Ouf! Allez, on va se remuer un peu. Cette fois, mettons Olivia en dessous. D'accord, monte Claire. Ok, les jambes sont repliées sous... Et on est encore une fois dans le rouge. Et essaye de te rattraper avant que ta tête ne touche le sol. Bon, les filles, pourquoi ne pas me laisser tenter le coup, d'accord? Je serai en dessous, ok? Bon, jusqu'ici, tout va bien. Attention à ton équilibre, Alice. Waouh, elle y arrive vraiment! Oh oui, je le sens bien dans mes abdos. Bien joué, mesdemoiselles! Tu vois, avec un peu de travail d'équipe et une certaine force de base, on peut faire à peu près n'importe quoi. Le prochain mouvement va te faire rouler de joie. Accroche-toi simplement aux chevilles de ton partenaire et va faire un petit tour. Waouh, on n'a jamais vu un tel enchaînement. Et ce mouvement ne doit pas être si difficile, pas vrai? C'est juste un mélange de stabilité et de roulade, non? Je crois que c'est Claire qui va commencer par s'allonger par terre et s'accrocher aux chevilles d'Alice. Maintenant, l'idée est d'atteindre tes chevilles sans te tomber dessus. Ouais, c'est ça. Prêt, feu, partez! Hé, on y arrive! Waouh! Oups! Désolée, Olivia. Oh, ça te dérange si je mords dedans? Je suis affamée. Rouler ouvre l'appétit, je suppose. Regarde bien le prochain mouvement, c'est un peu complexe. Ça a l'air un peu compliqué, mais on peut probablement le faire, non? Ou plutôt toi et Alice pouvaient le faire. Une fois que tu as bien pris les mains de l'autre, tu peux essayer de soulever ses jambes en l'air. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, ce n'est pas très joli. Ok les filles, c'était la pire tentative acrobatique de tous les temps. Peut-être que je devrais essayer? Oh, désolée Claire, on dirait que ces filles ne veulent plus entendre parler de ce mouvement. Le prochain mouvement est vachement plus simple, ou du moins c'est ce qu'on dirait. Mais peut-être que vous ne penserez pas ça une fois que vous aurez essayé vous-même. Attendez, c'est tout? C'est ça l'acrobatie? Ça doit être le plus facile jusqu'à présent. Allez, passons aux choses sérieuses, d'accord? Attends une seconde, pourquoi ma jambe ne soulève pas le reste de mon corps? Eh bien, il s'avère que ce petit numéro est beaucoup plus difficile quand on essaye de le faire soi-même. Hé, tu as besoin d'un peu d'aide, Olivia? Vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'aide, les filles. Alice, pourquoi tu n'essayes pas celui-là? Il n'y a aucune chance qu'elle réussisse du premier coup. D'accord, on attrape le pied et on monte. J'ai dit on y va. Quoi? Tu l'as vraiment fait, Alice? Bien joué, Alice, même si tu as eu un petit coup de main. Prêt pour la prochaine acrobatie? Allonge-toi à côté de ton partenaire, la main sur l'épaule de l'autre. Puis, joignez vos jambes voisines pendant que l'un de vous se retourne vers le haut. Ce mouvement a l'air très amusant. On va le tester. La première étape consiste à relier vos bras et vos jambes qui se touchent. C'est bon. Et voilà. Maintenant, préparez-vous à faire un tour de piste. Les filles, c'est la partie où vous soulevez l'autre personne. Les filles, vous avez l'air d'avoir besoin d'un peu d'aide supplémentaire. Enroule tes jambes comme ça et pousse comme ça. Ah! Ouais, Claire a vraiment reçu un coup de pied au visage. Oh, ça a été une drôle de sensation. Je n'ai pas avalé ma propre dent, hein. Eh bien, je crois qu'on va faire un tour chez le dentiste après cette séance d'entraînement. De nos jours, tout se fait sans les mains, un peu comme la prochaine acrobatie. Tu penses pouvoir te relever du sol sans jamais utiliser tes bras? Ouais, le plus dur est passé. Et ils remontent sur leurs pieds. Bon les filles, je suis sûre que c'est quelque chose qu'on peut faire. Eh bien, on commence officiellement. Burk, je ne savais pas que cet exercice allait impliquer un encas. Regardez ça, vous ressemblez à une brochette de vers de terre. Vous savez que ce mouvement ne vous oblige pas à manger l'herbe, n'est-ce pas? C'est ça, j'abandonne cette acrobatie stupide. Wow, on va avoir un goût d'herbe dans la bouche pendant des jours après ça. On dirait que quelqu'un est sur le point de devenir un assistant très spécial. Toi, viens là une seconde. Qui, moi? D'accord, je vais t'aider. Ça ne peut pas être si terrible. Quelque chose me dit qu'Alice pourrait regretter de s'être lancée dans cette affaire. On dirait qu'il te demande de t'asseoir sur ses épaules. Oh mon Dieu, ça y est. Attends, qu'est-ce que tu vas faire avec mes jambes? Et c'est parti! J'espère qu'Alice n'a pas le vertige là-haut. La vache! Ça ressemble plus à un pas de danse dangereux qu'à un numéro d'acrobatie. Hé, pose-moi doucement, j'ai un peu le vertige. Hé, vous m'avez vu là-haut? Peut-être que Claire et Olivia devraient essayer avec toi. Grimpe, ma grande. Ouah, je ne sais pas si je vais pouvoir te soulever. Oh non, une femme à terre! Ouh, ça fait vraiment mal. Olivia, c'est peut-être une meilleure idée d'essayer de mettre Alice sur tes épaules. Prête à faire un autre tour, Alice? Oh, je commence à penser que les épaules d'Olivia ne sont peut-être pas assez solides pour cette figure. Wow! Au moins, on a tenté le coup, non? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais! Pourquoi ne pas nous donner la main et nous faire tourner comme dans le bon vieux temps? Oh, c'est comme si ces super copines étaient encore des petites filles. Je ne m'étais pas autant amusée depuis des années. Je suis contente de ne pas avoir mangé ce burger avant ça. Je ne serais pas un peu bête de tourner comme ça une deuxième fois de suite. Il est temps de ralentir avant que vous ne perdiez vraiment le contrôle. Oups! Vous voyez ce que je veux dire. Hein? Est-ce que ça veut dire hamburger gratuit? Je dois aller le dire aux filles. Calme-toi, Olivia, tu ne devras pas manger ce truc trop vite. Un cours d'acrobatie gratuit et un déjeuner gratuit. Ces filles pourraient-elles avoir plus de chance? Hein? C'est qui ce gars? Voilà, mesdemoiselles, des sports extrêmes. Et les filles, ça vous dit d'y faire un tour après qu'on ait fini de manger? Ok, c'est officiellement la meilleure journée de notre vie. Tu t'es déjà demandé ce qu'il fallait faire pour maîtriser des acrobaties comme celle-ci? Beaucoup de tentatives et d'échecs, évidemment. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis. Et si tu veux voir d'autres défis géniaux comme celui-ci, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube 123GO! Challenge.